Ils sont arrivés à Kerem Shalom, qui est le Yishuv qui est le plus au sud de la bande de Gaza. Donc à Kerem Shalom, il y avait autant de terroristes que d'habitants. En fait, il y a eu d'abord une première roquette qui est tombée. Le binôme de Nathan a pris panique. Nathan a dit à son méfaquet, va le calmer, je vous couvre de ce côté-là. Ils ont 7 secondes hein, pour aller se mettre à l'abri. Et donc, il y a une deuxième roquette qui a été lancée moins de 7 secondes après la première. Et Nathan a reçu un éclat d'obus sur la tête. J'ai donné mon fils. Mon fils, il n'est pas parti pour rien. Il est parti pour que les Juifs du monde entier ils sachent qu'ils ont un pays, c'est Israël, et qu'ils doivent venir ici. Le matin de Simchat Torah, Nathan était de garde. Il était à Bislar, donc, qui est la base qui forme les futurs commandants. Et donc nous, on se dirigeait vers la synagogue pour aller Simchat Torah. Donc à ce moment-là, il y a des gens qui sortent de la synagogue qui nous disent « c'est la guerre ». Donc tout de suite, j'ai pensé « j'espère que Nathan va bien ». Le samedi soir, donc à la sortie de la fête, j'ai tenté de joindre Nathan, ça ne répondait pas. Ses copains non plus ne répondaient pas. Sur les WhatsApp, on voyait qu'ils n'étaient pas joignables. Seulement le lendemain soir, j'ai vu que ses copains étaient joignables et lui, non. Donc on a cherché Nathan à partir du... Enfin, le lundi matin, on a commencé à se dire il y a quelque chose de bizarre. On a commencé à le chercher dans tous les hôpitaux en Israël. Personne ne vous a appelé de l'armée ? Non, en fait, on a réussi à joindre son commandant qui nous a dit Nathan est blessé le lundi. Il m'a dit, je sais pas, comme on était en pleine guerre, c'était Balagan, je sais qu'il a été emmené par un des gars du Yishuv, peut-être vers Soroka. Donc en premier lieu, on s'est dirigé vers Soroka. Et à Soroka, il n'y avait pas Nathan. Après, on a été dans d'autres hôpitaux, donc on a été à Tel HaShomer et Khilov, et puis ensuite à Belinson, où on est arrivé le lundi soir tard. On est tombé sur un gars de l'hôpital qui nous a dit « Asseyez-vous, je vais chercher pour vous ». On était un peu épuisés, angoissés. Et en fait, il y a une procédure officielle à l'armée pour annoncer. Donc il y a trois militaires qui sont venus nous voir à Belinson le mardi matin très tôt pour nous l'annoncer. On a du mal à réaliser... Sur le moment, quand ils nous ont lu le, ils vous lisent un texte hein, en fait. Quand ils nous ont lu le texte, j'ai dit à mon mari Samuel, mon fils qui était avec nous, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il dit ? Et donc il me dit mais c'est fini. Et là, en fait, je me suis jetée en arrière, j'ai eu l'impression d'être consumée, voilà. Et j'ai dit. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai fait un blackout. Je ne sais pas comment expliquer. Comme si tout avait été effacé. On a encore du mal à réaliser, même maintenant, parce que c'est vrai que même les enfants de mes copines, ils sont encore à la guerre, ils rentrent peu, on a peu de nouvelles d'eux. Donc je dis tout le temps, en fait, Nathan, il n'est pas là physiquement, mais j'ai quand même l'impression qu'il est toujours avec moi. Alors, il avait 20 ans. Ouais. Il venait de fêter son anniversaire, je crois, juste avant pour Soukhot. Il a eu 20 ans le 2 octobre. Sa date hébraïque, c'est la veille de Kippour. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on ne l'avait pas fêté la veille de Kippour, parce que la veille de Kippour, date hébraïque, tombait la date civile de Samuel, son petit frère, qui fêtait lui ses 18 ans. Donc on a dit, cette semaine, on fête l'anniversaire de Samuel, pour que chacun puisse être mis à l'honneur au moment de son anniversaire. Et donc on a fêté l'anniversaire de Nathan, les premières fêtes de Soukhot, où il était en permission. Mon mari, qui n'a pas l'habitude de prendre la parole, lui a dit pour ses 20 ans, « Nathan, je voudrais te remercier parce que ton éducation elle a été facile. Et grâce à toi, qui a été aussi un modèle pour ton frère et ta sœur, leur éducation aussi elle a été facile. » Vraiment, il a toujours été top, quoi. C'est vraiment un modèle. Il était très particulier. Il faut savoir que Nathan, quand il était petit, c'était un enfant qui était très timide à l'extérieur. Il n'avait pas beaucoup d'amis en France. D'ailleurs, sa prof en CP, elle m'avait dit « Je pense qu'il a des problèmes neurologiques, votre enfant. » C'est bizarre, mon fils, des problèmes neurologiques. Quand il est à la maison, il est super agité. Quand il est à l'école, il n'est pas bien. Et à côté de ça, il dessinait beaucoup. Et donc, j'avais demandé conseil à sa pédiatre qui m'avait dit « Un enfant qui a des problèmes neurologiques et de concentration, il ne peut pas dessiner comme ça. » Donc, je lui avais fait des tests et en fait, il s'était avéré que Nathan, il était... précoce. On l'a changé d'école, on l'a mis dans une école juive, parce qu'en plus de ça, c'est vrai que c'était un peu compliqué en étant religieux d'être dans une école laïque. Et bon, il a un peu plus trouvé sa place dans l'école juive,
où il s'est épanoui aussi avec les prières. Il adorait faire la Hazanout Natan. Mais là où il a vraiment, vraiment trouvé son identité, c'est quand on est venu en Israël. Dès le moment où on est arrivé en Israël, j'ai l'impression que c'est devenu une autre personne. Ça fait pas très longtemps que vous êtes là. On est venu il y a 7 ans. Et en fait, quand on est arrivé en Israël, il a trouvé sa place. D'abord, il s'est fait plein de copains. Israël, c'est un pays qui est très émet, et Nathan, c'est un enfant qui est émet. Donc, il a trouvé plein de copains. Après, il a eu l'occasion de rencontrer la directrice du Bnei Akiva, qui lui a dit « on cherche un Français, parce qu'il y a beaucoup de Français à Natania. On voudrait un madrir comme toi pour le Bnei Akiva ». Donc lui, qui n'avait jamais suivi le mouvement de jeunesse du Bnei Akiva, tout de suite, il est devenu madrir de 30 gosses de 9-10 ans au Bnei Akiva, qui sont tout de suite devenus fous de Nathan. Ils adoraient Nathan. Il a commencé aussi à jouer de la musique. Il a appris tout seul, avec des tutos, à faire du piano, de la batterie, de la guitare, du cajon, c'est une espèce d'arbouka. Il aimait composer. Il a été DJ aussi. Il y a une époque aussi où il a été DJ et il s'est éclaté. Il s'est éclaté dans tout ce qu'il a fait. Il était vraiment heureux d'être là, que vous ayez fait ce choix pour lui. Ouais. Il était très heureux. Enfin, mes enfants, ils avaient toujours dit, si vous ne vous montez pas en Israël, moi, à 18 ans, je monterai. Pour lui, Israël, c'est la maison de tous les Juifs. C'est un devoir de servir le pays. Tout le monde doit passer par là. Israël nous donne, alors nous aussi, on doit donner à Israël. De toute façon, Nathan, il a toujours été dans le don de soi, dans tout ce qu'il a fait. Même quand il était à Madrir au Bnei Akiva, les enfants, ils disaient... les enfants, les petits chanichim, donc les petits enfants dont il s'occupait de 9-10 ans, il disait, Nathan, il avait toujours à cœur de toujours donner. Il faisait toujours en sorte que tous les enfants soient bien, qu'il n'y en ait pas un qui reste de côté, que tout le monde soit toujours content. Et à l'armée, c'était pareil, même jusqu'à la dernière minute quand ils se sont battus. À chaque fois qu'ils se battaient, quand ils remontaient dans l'autobus, il y a un copain, lui, qui m'a dit, Nathan, la seule chose qui l'importait quand on revenait d'un combat, c'était de savoir si on allait bien. On vous a raconté, j'imagine, ce qui s'est passé pour lui le 7. Vous connaissez les détails. Il faut savoir que la veille au soir, en fait, déjà, ils ont fait Simrat Torah. Et c'est Nathan qui a mené l'office. Et jusqu'à 3h du matin, il leur a fait faire les hakafot. Son mefaked, il a dit, il faut aller vous coucher. Il a dit, attends, il reste encore une. Alors, ils ont fait toutes les hakafot. Et le matin de Simrat Torah, ils les ont réveillés. Ils leur ont dit... on est en guerre, il faut qu'on y aille. Sa priorité à Nathan, la première chose à laquelle il a pensé, c'était de prendre une bouteille de jus de raisin et des cornflakes. Il leur a dit, attendez, d'abord on fait qu'il douche. Donc il leur a fait qu'il douche dans l'autobus. Et il leur a fait la prière qu'on fait au Khayalim avant d'aller au combat. Et il leur a dit, vous verrez, tout le monde rentrera indemne. Tout le monde rentrera indemne. Donc vraiment, c'était... D'abord, il avait un amour de la Torah et de Dieu qui était incommensurable. Et aussi, il a toujours pris soin des autres. Et toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire. Vous savez comment ça s'est passé, son dernier combat ? Oui, en fait, ils sont partis de Bislar à 8h le matin. Ils se sont battus à deux endroits différents. Ensuite, ils sont arrivés à Kerem Shalom, qui est le Yishuv qui est le plus au sud de la bande de Gaza. Donc à Kerem Shalom, il y avait autant de terroristes que d'habitants. C'est un village de 250 habitants, hein. Kerem Shalom, c'est tout petit. Et en fait, il y a eu d'abord une première roquette qui est tombée. Beaucoup de gens sont rentrés en panique, ils ont couru pour aller se mettre dans le Miklat. Et le binôme de Nathan, qui était posté dans la maison à 100 mètres de lui, donc a pris panique apparemment quand la première roquette est tombée. Donc Nathan a dit à son mefaked, va le calmer, moi je vous couvre de ce côté-là. Et ils ont 7 secondes hein, pour aller se mettre à l'abri à partir du moment où il y a la Azaka, donc la roquette elle est lancée. Et donc il y a une deuxième roquette qui a été lancée moins de 7 secondes après la première. Et Nathan a reçu un éclat d'obus sur la tête, un TIL RPG, ouais. Voilà, ça s'est passé comme ça. Mais les combats étaient acharnés et il paraît que grâce à leur intervention, les habitants de Kerem Shalom ont été sauvés, mais il y a aussi d'autres Yishuvs à côté qui ont été sauvés. Oui, qui se sont battus et il y avait des morts de partout. Hein. Et à chaque fois, Nathan est remonté dans l'autobus et son copain Eli, il voyait Nathan remonter dans l'autobus et à, toujours avec son sourire comme ça accroché à faire des télis, mais il disait à Nathan, on va s'en sortir. Et Nathan il disait, prie, tu vas voir, on va s'en sortir. Il n'a rien lâché. Ça veut dire, il descendait, il combattait comme un lion. D'ailleurs, son doudou depuis qu'il est petit et quand on lui a fait son Masakunta, c'était le lion.
Et après, il remontait dans l'autobus, il était connecté. Il était connecté à Dieu. Et sa plouga, son copain avec qui il était tête bêche dans l'autobus au sol, parce qu'ils étaient couchés au sol, il m'a dit, j'avais l'impression que c'était un ange qui descendait pour se battre et qui remontait ensuite dans l'autobus avec nous. Très spécial. Il les a influencés, parce qu'à l'armée, on fréquente d'autres gens, on fréquente tout le peuple d'Israël. C'est ça la force d'Israël, c'est qu'en fait, on est tous différents, mais on est tous un seul peuple. Et on a tous aussi un amour d'Israël qui nous fait cette force commune, qu'on soit Chiloni ou Dati. Mais il y a un truc que je ne savais pas, moi. Enfin, moi, je savais que mon fils, il était comme ça, mais il y a un truc que je ne savais pas, c'est l'influence qu'il a eue sur les gens autour de lui. Il y a un gars qui était avec lui en Tironoute, donc pendant 8 mois, qui est un Chiloni, fait rien. Enfin, il ne faisait pas du tout la religion. Hein. Et il est venu me voir donc, après le 7 octobre. Et il m'a dit, grâce à Nathan, j'ai décidé de faire tchouva. Alors je lui dis, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que quand je vois que Nathan, il a toujours été avec le sourire, quelle que soit la situation, je me suis dit, si c'est ça être religieux, moi je vais être religieux comme lui. Et il a dit, au début, on dormait l'un au-dessus de l'autre dans les lits superposés à l'armée. Il disait, Nathan, il me disait au début, vas-y, fais schéma. Alors l'autre, il lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu me saoules? Jamais prié de ma vie. Il lui dit, mais... Il me dit, c'est rien de faire schéma, fais schéma, je te dis, tu vas voir, ça va te renforcer. Et quand il est venu me voir, il m'a dit, après que Nathan y soit parti, maintenant je fais schéma tous les soirs, et je sais que grâce à ça, j'ai une protection, et je me suis renforcée grâce à Nathan, et je me dis, quoi qu'il arrive, je serai bien grâce à ça. J'ai l'impression que Nathan, il a enclenché comme un mouvement de bien. Il y a plein de gens qui sont venus me voir après que Nathan y soit parti, qui m'ont dit que grâce à Nathan, ils ont fait tchouva. Pour honorer sa mémoire et pour se renforcer, les gens du Bnei Akiva, ils m'ont demandé c'était quoi la phrase préférée de Nathan. Nathan, il a une phrase qu'il adore, qui est « Tenriur hakol letova ». Et en fait, cette phrase aujourd'hui, c'est devenu presque une philosophie de vie. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la situation, maintenant j'ai l'impression que les gens, en pensant à Nathan, ils pensent quand il y a une galère ou quand il y a quelque chose qui ne va pas, ok, il ne faut pas que je me plaigne. Tout est pour le bien, ça va aller, souris. Voilà. Et ça, je l'ai découvert après le 7 octobre. Tous ces gens sur qui il avait eu cette influence de penser bien. Quel genre de jeune homme il était? C'était un garçon qui souriait tout le temps, qui ne se plaignait jamais, qui était très artiste, qui faisait aussi beaucoup de kavod aux parents. Juste pour information, quand je rentrais dans sa chambre, Nathan se levait par kavod. Je lui disais, mais Nathan, je vais rentrer dans ta chambre 10 fois, tu vas te lever 10 fois. Il me dit, mais maman, c'est rien de se lever. C'est quoi le plus important, le kavod? Voilà, c'était ça, Nathan. Il rentrait le vendredi matin, épuisé, parce que souvent, ils n'avaient pas dormi dans la nuit du jeudi au vendredi. Il rentrait le vendredi matin, je lui disais, tu peux me jouer un peu de piano? Il aimait bien, lui, jouer du piano et moi, je chante. Et il restait assis avec moi toute la matinée. Lui, il joue du piano et moi, je chante pour me faire plaisir. Alors qu'il était mort de fatigue. Voilà, c'est ça, Nathan. Nathan, il voyait quelqu'un dans la rue, une vieille dame dans la rue avec des sacs. Il courait pour aller lui prendre ses sacs pour l'accompagner chez elle. C'est vraiment spécial. Et il était... C'est pas moi qui le dis, parce que si c'est moi qui le dis, ça fait presque orgueilleux, mais... C'est un copain à lui, donc, qui est avec lui dans l'autobus d'ailleurs, dans les derniers moments où ils se sont battus, qui m'a dit, Nathan, tout ce qu'il faisait, il a toujours fait à la perfection. Mais pas pour lui. Il faisait à la perfection pour l'autre, parce que Nathan, il a toujours su qu'il était un outil au service de Dieu. Voilà. Il était très exigeant avec lui-même. Même au bac, hein, on est arrivé au Lim Hadashim, il avait 13 ans, donc il était en 4e. Il a terminé avec 100 en maths, 100 en physique, en Yehida Hamesh au bac. Il avait les facilités, Baruch HaShem. Mais aussi, il ne s'arrêtait pas à ce qu'il savait faire. Il essayait toujours de faire mieux. Il essayait toujours de faire plus. C'était quelqu'un qui était en quête de perfection. Voilà. S'il commençait à jouer un morceau de musique au piano, il le jouait jusqu'à ce que le morceau il soit joué à la perfection. Qu'il a touché Nathan, c'est devenu de l'or. Tous les gens qu'il a côtoyés,
il leur a apporté une lumière. Je sais pas comment t'expliquer. C'est vraiment... Et je le ressens encore plus, même maintenant. D'abord, moi, je sens que mon fils, il est toujours avec moi. J'ai comme l'impression que Nathan, il s'est donné une mission de là-haut, à travers nous, de diffuser le bien. Voilà. Alors, quand on rentre chez vous, il y a quelque chose de très saisissant tout de suite. Il y a écrit sur le mur « Together », en grand. On connaît votre histoire, on se dit « Waouh ! » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ce « Together » ? Quand on sait la signification, on est encore plus bouleversé. Ouais. C'est comme par un fait exprès. Donc Nathan, il peignait beaucoup quand il était jeune. Après, il a un peu moins peint parce qu'il a fait plus de musique. Mais on était allés se balader à Tel Aviv et le mur de la maison était blanc. Et j'avais vu sur un mur à Tel Aviv écrit « Together ». Et j'avais dit, ah, c'est joli ça, je verrais bien un truc comme ça sur le mur. Et en fait, maintenant, j'ai comme l'impression que ce Together qu'il a écrit il y a 3 ans, j'ai comme l'impression que maintenant, c'est le message qu'il veut porter de dire on est toujours ensemble et on doit être unis. C'est valable pour nous, à titre particulier, en tant que parents de Nathan. Ça veut dire que Nathan, il est toujours avec nous, on est toujours ensemble. Mais j'ai presque envie de dire que ce together, il signifie aussi que le peuple juif, il doit être uni. La hardoute, c'est ce qui nous sauvera. On dirait qu'il avait été fait pour pouvoir laisser ce message après. C'est très spécial. On entend des voix qui commencent à justement vous parler de hardoute, d'être ensemble. Des voix un peu discordantes, on commence à, voilà, à sentir un peu que les choses se distendent puisque certains sont sortis de Gaza, etc. Pour vous dire et pour vous aider à tenir, vous dire que Nathan n'est pas mort pour rien, ce serait quoi le message ? Nous, on a fait notre aller à 7 ans, d'accord ? Et on a fait notre aller à cause de l'antisémitisme et aussi parce qu'on est sioniste et qu'on a un pays, c'est Israël. Et aujourd'hui, quand on me pose la question de savoir si je regrette pas d'avoir fait mon alia, je dis non. Je dis, moi, j'ai payé le prix cher, j'ai donné mon fils, comme Abraham aurait sacrifié Yitzhak, mais j'ai donné mon fils pour que les Juifs aient un pays. Et notre pays, c'est Israël. Et mon fils, il n'est pas parti pour rien. Il est parti pour que les Juifs du monde entier, ils sachent qu'ils ont un pays, c'est Israël, et qu'ils doivent venir ici. C'est ici le pays de tous les Juifs. Alors certes, moi, j'en paye le prix fort, mais j'ai envie de remercier mon fils d'avoir défendu son pays, parce que grâce à lui, on a un pays, c'est Israël. Vous avez laissé un message ? Après les Shivas, je suis allée voir le Rav Pinto pour lui demander une bracha. Et le Rav Pinto m'a dit qu'il a rêvé de lui le soir du 7 octobre. Et qu'en fait, dans son rêve, il le voyait monter. Et à un moment, la lumière était tellement forte qu'il ne pouvait plus le voir. Mais il m'a dit, soyez sûre d'une chose, madame, c'est que votre fils est à côté du Kissa Akavot, près d'Akadosh Baruch Hu, à la place d'honneur. Et il m'a dit, mais il vous a laissé un message. Alors Nathan ne m'a pas appelé, parce que comme c'était Simchat Torah et qu'il était pratiquant, il ne prenait pas le téléphone. Mais après les Shloshim, j'ai rangé sa chambre et je suis tombée sur une lettre qu'il avait certainement étudiée. Pourquoi cette lettre était sur son bureau, je n'en sais rien. Mais si vous voulez, je peux vous en lire un passage. Donc c'est une lettre du Yetzer Hara à son élève. Je t'écris cette lettre pour te faire savoir ce que je pense de toi. Ici dans le ciel, les choses ne se passent pas comme sur la terre. Ici-bas, les gens ne savent pas ce qu'ils voient. S'ils voient une personne réussir, ils pensent que c'est un type bien. Lorsqu'ils voient quelqu'un lutter, ils disent qu'il doit certainement faire partie des faibles. Laisse-moi te dire une chose. Hachem donne à chaque personne des capacités que tout le monde ignore dans ce monde où tu vis. Certains sont capables d'accomplir des choses fabuleuses, tandis que d'autres ont été placés pour des objectifs plus modestes. Seul Hachem, dans son infinie sagesse, est capable de donner à chacun ce dont il a besoin pour réaliser son potentiel. Si je t'ai choisi pour être l'objet de mes combats les plus durs, ce n'est pas sans raison. Tu as des capacités incroyables. Je t'écris maintenant parce que j'ai une faveur très spéciale à te demander. Je t'en supplie, n'arrête pas de combattre, n'abandonne pas. Et si les choses deviennent trop dures, presque insupportables, appelle-le simplement avec une prière. Il viendra à ton aide immédiatement.
Je te souhaite bonne chance et j'espère qu'après 120 ans, quand ton temps touchera à sa fin dans ce monde de mensonges, tu viendras ici dans ce monde de vérité où je t'attends à bras ouverts pour te féliciter de ta victoire et t'escorter personnellement jusqu'à ta place devant le Kissa Akavod, le trône de gloire d'Akadosh Baruch Hu, avec toute mon admiration. C'est impressionnant. Voilà. Et en fait, pourquoi cette lettre, elle était sur son bureau ? Pardon. Quand j'ai lu cette lettre, je me suis dit, il faut pas que je lâche. En fait, on fait des cours de Torah maintenant à la maison pour se renforcer, pour renforcer les gens. Et parmi les rabbanim qui sont venus à la maison faire un cours, il y a un des rabbanim qui m'a dit, là où s'arrête la compréhension, commence la émouna. On peut pas comprendre ce qui s'est passé, donc il n'y a que la émouna qui peut nous tenir, et Baruch HaShem qu'on est religieux, et que la émouna elle nous tient. Mais il y a aussi un autre message qui a été passé par une rabbanite qui est venue nous faire un cours, qui a dit, on ne peut pas dire lama, on ne peut pas dire pourquoi ça nous est arrivé, on doit dire l'éma, dans quel but. Et en fait, je pense que Nathan, c'était un tzaddik et qu'il était trop parfait pour être dans ce monde de mensonges comme c'est écrit dans cette lettre et qu'il est certainement mieux là où il est. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, je pense qu'aujourd'hui, si Nathan il est parti, c'est pour nous laisser cette mission. Cette mission de faire en sorte que le monde y soit meilleur, de faire en sorte que les juifs du monde entier puissent venir en Israël et qu'on ne doit pas lâcher, en fait. Je suis triste parce que, bien sûr, on ne peut pas avoir de plus grand malheur que celui qui nous est arrivé, mais je m'efforce de sourire et d'avancer et de me fixer cette mission de faire en sorte que Nathan y soit fier de nous. Moi, à titre personnel, mais j'ai envie de dire aussi, nous, à titre collectif, en tant que peuple.